Pascal a une vie merveilleuse. Ce que Pascal ne sait pas, c'est que sa vie est sûre et confortable grâce à des matériaux importants, les fluoropolymères. Les fluoropolymères, essentiels dans notre monde moderne, sont utilisés dans une grande variété d'applications en raison de leurs propriétés uniques. Regardons ensemble quelques-unes de ces applications. Les fluoropolymères ont d'excellentes propriétés électriques et sont utilisés dans les interrupteurs, les fils et les appareils électriques pour éviter les courts-circuits. Les fluoropolymères servent au revêtement des ustensiles de cuisine en raison de leurs propriétés antiadhésives et thermiques. Résistants, stables et exceptionnellement lisses, ils sont le matériau de choix pour les ustensiles en contact avec les aliments. Comme ils résistent aux détergents et aux sels, les fluoropolymères prolongent la durée de vie des objets du quotidien tout en facilitant leur entretien. Les fluoropolymères sont utilisés comme membrane dans les systèmes de filtration d'eau en usage domestique comme industriel. Les composants électriques des sols chauffants sont isolés avec des fluoropolymères car ils supportent les températures élevées de ces systèmes en mode chauffage. Pour Pascal, il est temps d'aller faire un tour. Dans les voitures électriques, les fluoropolymères garantissent la sécurité et la longévité des batteries. La mobilité électrique est un élément clé des objectifs environnementaux. Les fluoropolymères sont cruciaux pour le secteur automobile européen car leurs propriétés uniques permettent de réduire les émissions des moteurs à combustion interne traditionnels et d'innover dans les carburants alternatifs. En offrant une protection durable et efficace contre la chaleur, les fluides et carburants agressifs, l'humidité, les vibrations et les compressions, ils prolongent la durée de vie utile des divers composants essentiels à la performance, au contrôle des émissions et à la sécurité de l'industrie automobile. Un nombre croissant de bus et de camions utilisent des piles à combustible hydrogène contenant des fluoropolymères. Ces derniers interviennent aussi dans la production d'hydrogène en tant que membrane échangeuse de protons. Les fluoropolymères sont utilisés dans la construction des ponts pour permettre les mouvements des éléments en acier dus aux variations de température. Du fait de leur résistance aux intempéries, les revêtements et films en fluoropolymères interviennent dans la construction des immeubles, des dômes et des stades pour une meilleure durabilité et des coûts réduits de maintenance. Grâce aux fluoropolymères, les téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs portables et autres objets connectés satisfont aux normes requises les plus exigeantes. De plus, les fluoropolymères participent à la fabrication des puces électroniques ainsi qu'à l'isolation des panneaux d'affichage. Les fluoropolymères sont essentiels pour l'infrastructure de fabrication des microprocesseurs utilisés dans les appareils électroniques high-tech personnels, industriels et professionnels. Ils aident à répondre aux besoins de complexité, de conception et de miniaturisation en constante évolution des semi-conducteurs pour une large gamme d'appareils électroniques et le transfert de données entre ces appareils. Les fluoropolymères aident à implémenter la 5G pour un transfert de données rapide et fiable. Les fluoropolymères sont omniprésents dans l'univers médical. Toutes sortes d'appareils et d'ustensiles en sont revêtus car ils sont faciles à nettoyer et préviennent les infections croisées. De nombreux implants, comme les prothèses cardiovasculaires et les stents, sont fabriqués en fluoropolymères biocompatibles, inertes et sûrs. Les éoliennes, terrestres et offshore, nécessitent de très grands joints en fluoropolymères. Des films de démoulage en fluoropolymères sont utilisés lors de la fabrication des pales pour préserver leur intégrité. Les fluoropolymères protègent les cellules photovoltaïques des intempéries, garantissant ainsi la durée de vie et les performances des panneaux solaires. L'industrie chimique travaille avec des substances très agressives dans des conditions extrêmes. Afin d'éviter la corrosion et les fuites, les fluoropolymères sont utilisés pour les joints et revêtements de protection, des pompes et des tuyaux en acier. Les disjoncteurs à haute tension sont équipés de buses en fluoropolymères pour couper et rétablir le courant dans les lignes électriques. Les fluoropolymères sont largement utilisés en aéronautique.
Ils servent à l'isolation des centaines de kilomètres de fils et de câbles nécessaires au système de commande des avions. On les retrouve aussi dans les moteurs et les circuits de carburant car ils ont d'excellentes propriétés électriques, résistent au kérosène et à d'autres fluides et peuvent supporter des températures élevées. Dans le monde entier, des membranes architecturales en verre renforcées de fluoropolymères sont utilisées pour couvrir des aéroports et des stades. Ces structures sont légères, durables et permettent de contrôler la température intérieure. Non seulement les fluoropolymères offrent à Pascal un grand confort au quotidien, ils sont aussi omniprésents à l'arrière-plan pour garantir la sécurité de son cadre de vie. Les fluoropolymères jouent ainsi un rôle essentiel dans le fonctionnement de nos sociétés modernes et nous aident à atteindre nos objectifs de durabilité pour préserver l'avenir de notre planète.